Grasse, ville de la Côte d'Azur, est la capitale mondiale du parfum. La ville a acquis au fil des siècles un savoir-faire unique conservé au Musée international de la parfumerie de Grasse. L'activité de la parfumerie est née à Grasse au XVIIe siècle dans le cadre de la production de gants. Le parfum sert à l'époque à masquer l'odeur du cuir pour satisfaire à la mode des gants parfumés. À partir du XVIIIe siècle, l'activité de ganterie est peu à peu abandonnée au profit de la seule parfumerie. Grasse bénéficie d'un microclimat doux et ensoleillé, favorable à la culture des fleurs. Les champs de roses centifolia, de jasmin ou encore de tubéreuses se développent d'abord autour de la ville, puis dans les villages voisins. Au XIXe siècle, les grandes maisons de parfumerie créent des comptoirs partout dans le monde et importent des matières premières telles que le safran, le santal ou la vanille qui sont raffinées à Grasse. Les parfumeurs grassois développent de nouveaux procédés comme la distillation par injection de vapeur directe. Cet esprit d'innovation se poursuit aujourd'hui au travers d'une importante activité de recherche et développement. Mais c'est surtout une sensibilité unique acquise au fil des siècles, qui fait l'excellence de la parfumerie grassoise.